Bonjour, vraiment, Maurice, c'est Nubio et un connard va nous faire chier. C'est en ton nom qu'il vient à nous. Nous allons danser et chanter. Et les gardes, il mettra à genoux. Marque ici. Bref, je n'en ai rien à foutre. Ta gueule, non. Ça marche toujours. Bref, donc bonjour le monde, ici c'est Nobio et on se retrouve juste pour un nouvel épisode du Assassin's Creed et Brotherhood. Alors, comment vous dire, j'ai fait une petite découverte cette semaine. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il a le garde à me suivre? Vas-y Kesta. Oh là, ah, t'as pas vu venir celle-là, hein? T'as pas venir, hein? Allez, viens! Petite salope! Allez, viens! Viens que t'embranche! Alors, s'il te plaît, est-ce que t'as des trucs? Bref. Donc, j'ai pas réussi à dire ce que je veux dire. Donc, ce soir, j'ai fait une petite découverte, donc. C'est-à-dire que vous vous rappelez du carton qu'on a vu il y a quelques épisodes dans l'épisode où on a redécouvert Leonardo. Et ben ce carton n'est pas là pour rien. Bah ouais. En fait, c'était Snake dedans. Je pensais que c'était des conneries, mais en fait, c'est bien Snake dedans. Comment je sais? C'est simple. En fait, c'est tout simplement de la pub, en fait, pour Metal Gear Solid. Je sais plus lequel, je vous avoue. Mais un Metal Gear Solid qui est sorti il y a pas si longtemps. Je crois que c'est Rising, je crois, je suis pas sûr. Et en fait, à l'intérieur, ils avaient fait une petite blague. Ils avaient dit que Altair serait dans Metal Gear. Donc voilà, ça a commencé là. Et donc Ubisoft a fait, pas fait la même chose, mais a fait un petit clin d'œil à ce truc. Et donc a décidé de simplement mettre une tenue. Donc dans l'inventaire des tenues, et on a une nouvelle tenue Raiden. Alors Raiden déjà c'est 3 petits points pour la description. Et voilà, à quoi on va ressembler. C'est moche. C'est très très moche. Je suis sûr que c'est super moche, quoi. Plus moche que ça, tu meurs, quoi. C'est horrible. Mais c'est une tenue Raiden qui est débloquable. En fait, je vous explique pour la débloquer. Il y a un truc très simple à faire. Vous êtes bon, l'entraînement virtuel qu'on a fait au début, que je disais, ouais, je peux aller faire, c'est chiant. Et ben, je les ai fait tout en off. Et en fait, quand on débloque tous les trucs, au moins en mode bronze, en fait, on débloque la tenue Raiden. Et c'est pas mal, c'est pas exceptionnel non plus, hein, mais bon voilà. Donc voilà, donc faut faire les 4 trucs, enfin les quatre thèmes, et si on débloque tout, on débloque la tenue Raiden qui est moche, horrible, et qui moule, et qui fait juste horrible, quoi. Par contre, ça moule le cul de Ezio. Bon, je vous mets la colline. Et tout est normal. Tout est normal, il est habillé normalement pour les autres, c'est bien. Ouais, j'espère que t'as peur, connard. Donc voilà, donc juste une petite tenue pour vous montrer. On va se remettre en tenue normale, parce que j'aime pas cette tenue. Et on va essayer de débloquer aussi une autre tenue plus tard, mais plus tard, pardon. Et du coup aussi, j'ai perdu l'assassin flamboyant. L'assassin flamboyant, je sais pas où le débloquer en fait. Je sais que je l'ai acheté, mais je peux plus le réacheter, c'est con. Et je sais pas en fait où les stocker. Si quelqu'un le sait, par pitié qu'il me le dise. Où sont les couleurs qu'on a débloquées? Parce que là, du coup, on va devoir se battre en mode classe, par contre, en mode tenue d'Altair, par contre. Ce qui est assez classe, hein, je dois dire. Mais bon, voilà, on va faire ça. Et aussi, la semaine dernière. Voilà, toi, t'es pas net, toi. Toi, t'es pas net. Viens par là. Ouh, toi. Ouh, putain, il arrive pas à faire ouh. J'ai pu voir. Je peux faire ouh. Voilà. Merci. Non. Vas-y, essaye de courser, vas-y, essaye. Vas-y. Pas de couilles. Aussi, on m'a dit la semaine dernière dans les commentaires que pour débloquer l'arme ultime, ultimate arm, le couteau de boucher, il fallait en fait. Racheter plusieurs forgerons. Je sais plus combien exactement. Vous voyez, du coup, j'ai fait pas mal de trucs et du coup, j'ai le couteau de boucher. Couteau de boucher.
bouchée. Du coup, on va se mettre ta toute bouchée. Merde. Ah, il faut que je sorte. Oh, coucou. Attends. Voilà. Voilà, j'en ai rien à foutre de l'épée. Et puis rien à foutre, j'ai les trucs secrets. Le couteau de boucher, tout va bien. Et les peu, j'en ai rien à foutre. Voilà, donc on peut partir tranquillement pour l'aventure et tout ce qui se passe avec. C'est une longue intro, hein, je vous l'accorde. Mais en même temps, il fallait la faire. Hein. Parce que la tenue Raiden, quand même, c'est pas n'importe quoi. Hein. Et je pense que peu de personnes le savent. À moins d'aller sur internet et de fouiller un petit peu. Des fois, il faut le savoir, quoi. Mais donc, voilà. C'est cool. Et merci à Manky qui m'a débloqué pour les couteaux de boucher. Voilà. Il va être content sinon, il boude si je dis pas. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est dit. Voilà. Et je te remercie. Voilà, ça va. J'ai l'impression de râler en fait. Mais non, c'est pas le cas. Hein. Ah, presque pas. Bref. Donc, aujourd'hui, on va commencer par Leonardo. On va pas commencer par Leonardo, on va commencer par le truc de Romulus, qui je ne sais pas trop d'où. Ouais, je sais pas du tout où c'est. C'est une taille de Romulus, ça, ou... Ouais, taille de Romulus, et ok, mais lol. Genre, taille de Romulus, c'est au milieu de tout ça, quoi. Qui donc comprendo. Ah, peut-être en dessous. Ah, mec, qui c'est en dessous? Putain. Yeah! Wouhou! Yeah! Ouais. Par contre, ça a l'air d'être au-dessus maintenant. Ouais, ah, c'est là, c'est tabernacle. Oui! Je dis tabernacle! Aïe, cette tabernacle! Je suis plus pauvre, je peux rentrer chez moi maintenant? Non, bah non. Bah non, bah non. Glande-toi par terre, bah oui. C'est tellement plus drôle. Oui, bah oui, et ne remonte pas surtout, hein. Ah, c'est par là. Fais chier. Oui, aussi, du coup, j'ai appris quelques trucs vont servir pour la plateforme, genre quelques petits trucs de course, tout ça, ça va être pas mal. Ouais. En fait, du coup, c'est juste un tuto pour savoir comment courir et tout. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Regardez, j'arrive à monter. Je pourrais presque faire du speedrun. Bon, peut-être pas. Peut-être pas déconner non plus. Bref, où c'est que c'était? Où c'est que c'était le truc de Romulus? Tiens, je peux l'acheter. Juste combien ça coûte, juste pour me faire rire, juste pour faire lol. 2000. Sans deck, j'ai pas assez. Sans déconner, j'ai pas remarqué. Par contre aussi, j'ai spammé aussi l'argent aussi que j'ai. L'argent que j'ai fait du farm ou quoi. Ouais, j'ai fait farmer quoi. Putain, mais comment y aller quoi? Oh, tu comment y aller? Et par là, dès qu'il y a un petit chemin qui se découvre à nous. Que c'est juste là, quoi. Trop, il y a un chemin en dessous, quoi. Makeno sait. Oh, bordel. Rien que pour entrer là-dedans, c'est déjà une énigme, quoi. Faites chier. Faites chier, les gens. Hein. Non, on va faire un truc simple. Non, on va faire bien complexe. On va bien faire chier les gens. Hein? Sarah. Attends, c'est pas parce que je veux, non, bah non. Ah, bah non. Je vais trouver, hein. Un jour, je trouverai. Non. Je le trouverai. Yeah. Il n'y a pas de chemin, puis c'est trop bas. Ah, mais c'est quoi ce délironnet, quoi?
Ouais, c'est ce délire. Vas-y, c'est ce délire. Vas-y, c'est ce délire. Aïe, tu me comprends d'où? Oui, non, mais qu'est-ce que ça va être, John, vas-y. Je te dirai rien. Je crois qu'on va un peu couper la vidéo, hein, et que je vais chercher un peu en off. Hein? Sinon, ça va être un peu chiant si je... Bref, je coupe. Voilà. Ça va m'éterniser longtemps. Je coupe. À tout de suite. Et donc, le monde, heureusement que j'ai fait tout ça en off. Parce que sinon, ça aurait pris une demi-heure pour que je trouve l'entrée. Ah, pour que je trouve l'entrée, et encore... j'ai du mal, hein. Et merci, heureusement que j'ai fait les trucs de... Les entraînements virtuels, parce que sinon, j'y serais jamais arrivé, quoi. Ah, je vous jure, il y a des techniques de balade à faire. Non, je déconne, en fait, c'est juste que je suis nul. Enfin, je suis nul. Disons que c'était pas facile à entrer, parce que les prises n'étaient pas... évidentes. C'est des prises assez vicieuses. Et donc, fallait y aller à tâtons, et du coup, ça m'a pris une demi-heure. Du coup, ça m'a fait un peu chier. Et donc, du coup, nous sommes dans le temple du Romulus, et nous allons donc trouver les tombeaux des Romulus. Enfin, t'es pas plus des 10 cas à santé. Ok! Il accepte. Bon, bah. Entrons. Bon, si on est connu, c'est qu'il y a forcément des connards. De nombreuses recrues ont rallié notre cause. Il me suffit de prononcer le nom de Romulus pour qu'ils obéissent. De connards. Ben, nos prophéties les ont convaincus comme prévu. Ensemble, nous créerons une nouvelle harmonie religieuse. À partir du cadavre de loup? Assassino! Rameutez vos adeptes! Rameutez quoi, lol. Ok, j'en poursuis un, donc c'est celui-là. Bonjour, je te poursuive, toi! Lol! Je sais pas pourquoi, mais je te poursuivre. C'est tout. C'est tout. Bonjour, messieurs! Ouais. Si je t'attrape, je te mords, non, c'est pas ça? Si je t'attrape, je te mords. Bon, allez, j'arrête avec ça. Alors. Alors, toujours. Oh, enculé, enculé, enculé! Heureusement que tu le vois. Juste tes yeux, connard. Connard digne, Marquesi. Bonjour! Nous devons tuer l'assassin! Romulus nous l'ordonne! Non, il nous donne pas grand chose en fait. Je suis gentil, moi j'ai juste l'armure en fait, s'il vous plaît. Eh, couteau de boucher! Ah, couteau de boucher! Ah, couteau de boucher! Gueule! Couteau de boucher! Couteau de boucher! Eh oh! Chant! Couteau de boucher! Et je mine d'un côté le couteau de boucher! Oh, roulade! Oh! À main nue! Ah, d'accord, on doit le suivre. D'accord, non mais laissez-moi en fait. Non mais en fait. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Sinon, je vous tabasse toute votre tête. Ma caissie. Ok, j'arrête. Y'arrête avec mes chansons de merde. Ma caissie. Allez. Mais arrêtez avec vos couteaux de merde. Oh. Vous faites chier, voilà, vous me faites tout chier, voilà. Bon, ok, j'ai compris, il faut aller par là. Lol. Attends-moi! Maté comme un assaï! Chacun pour soi! Oh, enculé! Est-ce que t'as Oh, les yeux qu'il a! Marqué, il est bien! Marqué normalement, Marqué, il est sur une. Maintenant, je suis être chevalier flamboyant, mais là non, en fait. La gueule. La gueule. Elle chevalier. Elle a sa flamboyant, mais qui flamboie plus. Il a plus qu'un bourrant, non, Marquesi. Ah, parce que moi, c'est trop tonneau quand même, hein. Ça serait un peu débile, on va me l'avouer, s'il vous plaît. Voilà. Oh non, on se casse. Maintenant, on se casse. Maintenant, c'est la plateforme, lol. La plate lol. Bonjour monsieur. Ta gueule. Toi aussi, ta gueule. Aouh. Ils font aouh. C'est con.
C'est con, c'est pas vraiment des loups. C'est con. N'empêche, ce passage devrait pas plaire à Wolf, hein. Un ami qui se prénomme Wolf. Ça aurait pas lui plaire parce que je tue des loups. Forcément, il s'appelle Wolf. Non, ça peut... Bref, je me tais. Where do you do I... par là. For here. Oh, si. For here. C'est quoi? N'importe ni wak. Yenes, oui, par là. Cherchez-moi pas. Yes, oui, poula. Laissez un message à Paul Bip, non. Lol. Une minute. Cette capuche. Ma que c'est capuche. Ou ma que c'est quelque part. Ma que c'est pas qui. Peut-être qu'il a tué nos copains. Ou ma que c'est pas. Quoi, les corps morts, ils sont complètement teubés. Voilà. Alors, plus que en fait, j'ai pas fait mon stock de carreaux d'arbalète. Parce que j'ai pas envie d'en acheter, ça me fait chier, parce que je sais qu'on peut en trouver sur le cadavre. Mais j'ai pas tué de beaucoup de temps de garde que ça. Donc du coup, je fais un peu mon stock maintenant. Même si ça m'étonne qu'il y ait des trucs qui ont des cartouches d'arbalète, mais des cartouches. Carreaux plutôt d'arbalète. C'est pas grave, on fait comme si... Bonjour! Ah, il me suis fait avoir. Voilà, dans l'eau, hein. On va faire chier, hein. Oui, bah rapprochez-vous de la cible, ouais, forcément, mais c'est facile de dire ça, hein. Tionardo, ma Cathy. Allez, Zio, pas ta pute. Mais, je vous hais avec vos couteaux de lancer de merde, quoi. Les brûler en enfer. Sérieusement, quoi. Et là, comment je passe, monsieur? Hein? Par là, ok, j'ai envie. Oui, bah ça va, hein. En tout, c'est mon faiblesse. Je suppose que je peux pas y aller, bah non. Forcément que non. J'aime bien, il peut pas nager, quoi. Les assassins peuvent nager. On a aucune faiblesse. Oui, bon, par contre, on a une faiblesse, c'est qu'il faut qu'on suive ces trucs. Vous allez vous faire foutre, ces trucs de Romulus, hein. Moi, j'ai un gars à aller chercher. Bonjour, messieurs. Je prends une petite plongée, hein, voilà. Bonjour, vous savez pas viser. Mac et non. Oh. Mac, ça a l'air classe ici. Moi, je déconne. Ça a l'air tout poisseux et tout moiteux et tout mitou. Ton heure est venue, assassin. Mac, ici. Allô. Apaisez Romulus. Tuez-le. C'est pas très gentil, ça, hein. M'en fous, j'ai le couteau de boucher. Eh oh. Ça va avec vos couteaux de lancer de merde, hein? Ma fou, il y a le couteau de boucher! Je suis l'assassin au couteau de boucher! Makazi! Il y en a qui font la tronçonneuse, d'autres couteaux de tranquille, moi, il y a le couteau de boucher! Non, mais allez-vous tous vous faire foutre avec le couteau de lancer de merde, quoi? Sérieusement? Romulus punira ceux qui refusent de se battre! Ta gueule, chien de mes couilles, chien de mes couilles, chien de mes couilles, voilà, un par un, voilà, un par un, tranquille. C'est de tes maîtres les Borgia que tu tiens ces inepties. Oh, je dis la vérité, c'est toi qui oses mentir au peuple. Non, déjà je me vis pas avec un peu de loup, quoi. Allez, donne-moi le code. Oui, s'il te plaît. Tu ne mérites que la mort. Toi, t'as une belle moustache, t'avoue que j'ai pas très bien envie de te mourir, de faire mourir. Eh, j'ai perdu 4 carrés. J'ai pas perdu 10, là. Il fait vraiment des bruits de loup, en fait, c'est inquiétant. C'est vraiment comme si je tuais un loup, en fait. C'est assez bizarre. Est-ce que je peux le dépecer? Non, si je peux le dépecer, tu vois, je pourrais faire un manteau de loup moitié, hein. Mais tu sais, je dis rien, hein. Et vous avez vu comment j'ai trouvé directement la solution du truc? Vous avez vu un peu ça? Hein, vous avez vu, hein? Bah oui, vous voyez que c'est vrai. Ouais, c'est pas grave. Bon, c'est le moment chiant où une plateforme où la caméra fait n'importe quoi. Mmh.
Yeeha! Maruda, Maruda, on est ici! Alors, c'est fait. Emparez-vous de l'assassin de la bête de Romulus! Marc, c'est pas bueno! Marc, il m'en fout, il tue un assassin. De base, il tue je sais pas combien de personnes, alors bon, vous voulez quelque chose. Un peu rien à péter, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez pas, mais en plus, c'est tant mieux. Bref. C'est pas grave! On va faire comme si on avait rien entendu. Voilà, voilà. Bref. Allez hop! On avance, on avance. Boca de Santo! Comment t'as fait? Bon, tiens, allez. Y'a plus dommage pour la tête à Gilles. Allez, troisième clé! Bah, c'est écrit la sixième, mais c'est pas grave. Oui, parce que V bâton, ça fait 6. Ouais. Ouais, j'ai appris ça. Ouais. Je m'en fous. 3 sur 6. Yeah. C'est cool ça. C'est très cool. Allez hop. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben. Je sais pas. Oh, Yesun plombier! Avec le tuyau de Mario. Lol. Ou une lampe de torche. Une lampe torche, je sais pas. Je ne sais pas encore. Bref! Après cette discrétion discrétieuse, le chanfoyant. Non, parce que j'ai chevalier, je sais pas pourquoi j'ai chevalier flamboyant, alors que c'est pas, c'est l'assassin flamboyant. Ce sera l'assassin flamboyant de retour. Même si je suis pas très bien flamboyant, ce n'est pas grave, maintenant. Bon, et ben à la suite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait la quête? Est-ce qu'on fait quoi? Est-ce qu'on fait du Leonardo? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas Cristina d'Avelacci, à quelle époque? Pekka, je dis ça? Non, oui. Machine de Leonardo, il y en a encore deux à faire, mais on fera plus tard, on a le temps. Non, on va faire ça. Voilà, celui-là. Parce que il est prêt, voilà. Simplement. Il y a un voleur là-bas! Trop loin, ça rage. Trop loin. Ouais. On va aller là-haut pour se faire le capitaine Borgia, ici. C'est quoi ce cri? Ah oui, c'est vrai que maintenant. Je suis à 9000 dans le dépôt du truc. Oui, c'est un peu beaucoup, hein, je l'avoue, certainement, hein, mais. J'ai fait pas mal de trucs hein, depuis. Hein. J'ai acheté beaucoup de trucs, c'est énorme. Là, du coup, ça double mon capital. Mon capital santé. Ah oui, ici. Ok. Je vois très bien où je suis. Je vois très bien où c'est. Je l'ai déjà fait assez facilement cette mission-là. Et voilà. Bonjour monsieur. Voilà, merci. Ça c'est fait. Non, de merde. On peut y aller par là? Ah mais c'est trop cool ça! Oh mais non, pas ici. Quoique. On peut pas. Ah quel dommage. On lui sur cette auto tout le chemin. Fuck. Puis on peut peut-être gruger par là. Oui, Kruger, j'ai dit Kruger, personne dit Kruger. Depuis au moins 1890, mais je m'en fous, j'ai dit quand même. Voilà. Rien que pour vous faire chier. Oh comment je vous fais chier? Oh. Allez hop. Envole-moi. C'est trop pratique ça. Bonjour monsieur, au revoir. Non, vous ne voyez pas, hein? Évidemment, hein? Ah, c'est con, il arrive là. Voilà, vous ne me voyez pas? Vous ne me voyez pas! Dégage, s'il te plaît, il est juste là, dégage! Putain de merde, une carte de charasse. Ouais, de charasse! Charas. Putain,
me paraît loin maintenant. Pas toi, je vais. Vise celui d'au-dessus, voilà. C'est pas lui. On peut pas poser une bombe, non? C'est tellement plus pratique. Arrête de viser. Vas-y, viens, je vais te tuer devant tout le monde. Son chien, c'est caillou, quoi. Ça, c'est des gardes armés, quoi. Non, on jette des cailloux. Cherche pas, on est trop dark. C'est débile. Voilà, ta gueule. Voilà. Yes, win, tout passo. Maintenant. Essaye de tenter. Hello. Il y a le couteau de boucher, il y a celui de nos bras, si, bah ben. Ta gueule! Ah, y'a plus personne? Non, c'est con. Je m'amusais bien, moi. Hein, je te fouille tes pieds! Qu'est-ce qu'il y a dans tes pieds, hein? Bah, pas mal de choses, apparemment. Ouais, oh! Laissez-moi vous fouiller vos potes, quoi! Soyez sympas! Parce que moi, je vous fais chier quand... Oui, bah, je vous fais chier de base. Oui, non. Oui, bah, c'est pas comparable, voilà. Moi, je suis gentil, vous méchant. Moi, gentil. Moi, sauver les gens. Vous méchant. Vous tuez les gens. Vous, au moins, les opprimer. Vous êtes cons, quand même, hein, de base. Les gars, hein. Je vais pas vous dire, mais... Niveau stratégie de truc, c'est complètement nul, hein. Parce que je vous rappelle qu'ils assiègent. Enfin, ils assiègent. Ils ont pris le contrôle de Rome. Mais ils foutent l'économie à plat. Ils ferment les forgerons, les médecins, tout ça. Ils veulent quoi? Ils veulent juste le Rome pour eux? Pour une dizaine de personnes? Ouais, pas mal. C'est pas mal du tout, hein. Disons que c'est innovant, mais... Niveau pratique, c'est pas très très bien, hein. Enfin, je veux dire que si tu prends Rome, autant laisser les gens vivre, quoi. Pas la peine de fermer les forgerons, tout ça. Parce que déjà, il y a un autre connard qui s'occupe de les réanimer, de les rouvrir. Donc, ça ne sert à rien, de base. Et en plus, si t'as plus de forgerons, t'as plus d'armée, t'as plus de médecins, t'as plus de santé, t'as plus de... Encore les marchandeurs, puis bon, j'avoue que bon, les couturiers, bon, avoir des vêtements, c'est mainstream maintenant, tu vois, c'est voilà, autant quoi. Autant être à poil avec un panne, quoi, je veux dire, chacun est libre de s'habiller comme on veut, hein. Et les Borgia ont décidé de s'habiller avec un panne. Bon, hein, comment dire, ils font ce qu'ils veulent, hein, on va pas les punir parce qu'ils veulent être à poil tout le temps. Des Romains, de base, ils bouffent couchés. C'est anti-logique. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Bon, bref. Après avoir digressé pendant 90 minutes, on va reprendre l'activité normale de ce jeu, hein, c'est-à-dire libérer Rome et libérer les recruter des assassins, hein, voilà. D'où les Brotherhood, hein, les frères des capuches. Et oui, je sais que Brotherhood ne veut pas dire frère de capuche. On est d'accord, hein, c'est juste une blague. Une comédie, hein. Non, parce que je sais pas qui c'est, mais quelqu'un m'a vraiment dit... Non, il m'a pas toussé la gueule, hein. Rassurez-vous. C'est pas un colère. Il m'a dit, ouais, non, mais tu sais que Brotherhood, ça veut pas dire frère de capuche, en fait. Ouais, non, c'est ça, ouais. C'est très bien. Alors, on va pas se chercher. Bonjour. Les Borgia ont perpétré toutes sortes d'atrocités dans cette...